Salut à toutes et à tous, c'est Koinski. Alors on repart avec nos amis reptiliens. On va commencer peut-être par l'attaque sur Sildrator. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? On peut déjà regarder un peu quand même. Pas ça. Juste voir. Sentinelle grise. La pointe du roc grise trouve ici n'est pas encore colonisée, on pourra y aller. Et le pic des titans appartient au culte du plaisir. Si possible, je vais suivre votre avis, parce que je suis assez d'accord, on n'a pas envie d'aller coloniser ces terres-là. Elles sont inhospitalières, je vais juste quand même prendre cette ville-là parce qu'elle appartient à la faction ennemie et autant la prendre. J'irai prendre peut-être celle-là également après. Mais c'est pas une priorité non plus, je veux dire. On va prendre juste la capitale. Et puis on va revenir vers le sud pour s'occuper de nos ennemis au sud. Et on essaiera de maintenir la paix avec le culte du plaisir, mais honnêtement j'y crois pas trop, j'y crois pas tellement, faudra garder une armée dans le coin je pense. On verra exactement. Alors Corvichich. Et on a de l'artillerie baliste faucheuse. On a des murs évidemment. Rien de bien méchant, hein. Je pourrais même la faire en auto éventuellement, ce qui est, c'est que j'ai peur de perdre des troupes. On va faire un bélier, on va attendre un tour et puis on attaquera. Je pense qu'on a de quoi les défoncer en haut des murs. Nos sorus sont expérimentés. Au sol, on pourra envoyer le stégadon à l'intérieur une fois que la porte sera ouverte. Je pense que ça devrait aller. Alors au niveau de la gestion, on va essayer de monter encore le revenu mensuel avant de faire de gros frais. Ok, alors à Exoat là. On va attendre un peu de voir s'il me reste de l'argent parce que j'ai des choses à faire au niveau des villes secondaires. Colosse des dieux, on peut augmenter ici le quartier de main d'œuvre Croxigor. La Ziggoura de l'Aube, rien à faire. À la côte des colons, on n'a rien à faire pour l'instant. Forêt de la Vipère, là il y a des choses à faire. Donc c'est au nord, juste au nord d'Exoatl, de l'isthme de Lustrie. On pourrait faire le trésor des anciens pour avoir plus de plaques par tour. Mieux vaut ne pas traîner, je pense. Mais vraiment, j'ai quand même besoin de remonter mon niveau financier, donc on va monter encore ceci, le quartier des Skink. Il me reste 1000. Je vais pas pouvoir faire grand chose avec ça, je pense. Malheureusement, plus faire les closeries des Terradons ou les grottes à sang froid, j'ai pas assez d'argent, mais ça va venir après, autour d'après on le fera. Forêt de la Vipère, on peut augmenter la croissance. Pourquoi pas? Ok. Rockjor va coloniser. Ah, il faut de l'argent, d'accord. On va attendre encore un tour. Pas bien grave. Donc au niveau des pics du Maku, de toute façon après, il y a Monument du Soleil, mais ça va être des ennemis. On s'entend pas tellement bien avec eux de toute façon. Si on regarde ici. Il y a moins de 90, je veux dire, c'est des ennemis, ça, il n'y a aucun problème. La troisième ville, on sait pas où elle est pour l'instant, mais j'imagine qu'elle est là. Là, on voit une route ici, donc elle doit être là. Les rônes ont déplacé. Krikit pourrait justement aller faire un peu d'exploration par ici. Ça mange pas de pain. Voilà le sanctuaire. Et apparemment il y aurait un trésor dedans. On va aller l'explorer. Quand on aura l'argent. Donc... dans l'isthme de Lustrie, on va faire dans les deux villes secondaires la cavalerie et les Terradons, ce sera bien. On aura un gros panel de possibilités de recrutement après ça, déjà quand même pas mal. Allez Mazdamundi, vas-y. T'as largement de quoi faire. Les troupes sont en forme, elles sont expérimentées. C'est pas des grosses unités, encore on a quand même le Terradon qui est pas mal. Le Terradon, le... J'ai toujours du mal parce que c'est pas les noms des dinosaures évidemment véritables. C'est des inventions, faut s'en souvenir.
Le stégadon, voilà. Donc lui, il y a une toute petite armée, mais on a 610 unités en garnison. Je vais garder comme ceci. Cool. Sympa d'aspect. Bon, de toute façon, on n'a pas des masses de choix. On va aller vers la porte qui est la plus avancée. Ce sera la plus facilement accessible. En fait, ça change rien parce que... Non, on va aller... Ah, écoutez. On va se retirer dessus peut-être par 4 tours ici. Et ici, ça risque de... Ah, il y a une porte sur le côté aussi. On pourrait monter sur les remparts là en passant par la gauche. On va essayer ça. On va tout à fait essayer ça. Damundi peut rester un peu en arrière. On va mettre les mecs avec bouclier devant, de toute façon. Donc le vétéran scarifié, lui... Et un bouclier, c'est bon. Alors, est-ce qu'on met les lanciers en haut ou plutôt les guerriers? On va mettre les guerriers. Hein. Ce sera mieux, on va garder les lanciers en bas. On va rester en... Donc on va pas dépasser trop ce bord-là. Les lanciers peuvent rester derrière. Bon, les corps skins qui vont pas être, j'ai l'impression, hyper utiles ici. Le stégadon suivra pour enfoncer la porte. Quoique non, c'est le... Est-ce qu'il peut enfoncer les portes, lui? Pas sûr. Si, c'est indiqué ici. Assiégeur. Mais bon, on a... On a un bélier, donc je pense qu'on va l'utiliser. Elle reste des hommes lézards. On va mettre l'engin de siège ici. Bastiladon. Je sais pas s'il va pouvoir tirer en cloche. On essaiera de tirer sur les ennemis, sur les remparts peut-être. Pas très bien organisé, mais bon, on est des hommes lézards après tout. L'important c'est que mes unités qui aillent sur les remparts soient bien devant. C'est parti. Stegadon va avancer, Mazdamundi va avancer. Soutien, de toute façon tout le monde plus ou moins va avancer, hein. Ça y a pas de souci. Bastiladon, on va le mettre juste devant les arbres pour qu'il soit pas dérangé, pour pouvoir tirer. On va se débrouiller. On va avancer les autres pour l'instant derrière la ligne d'arbres, ça peut éventuellement les protéger des tirs. On verra. Ok. Vous allez courir vous pour monter. Et par là aussi, cool. On va pouvoir prendre le coin ici. Mazdamundi va se mettre ici, il va aider. Alors il va aider avec convergence harmonique, il va aider avec souffle de minuit.
Les échelles sont placées. Voilà, le bastiladon, il peut pas tirer en l'air. Le bastiladon, oui, il peut pas tirer en l'air apparemment. Ça va pas être très très utile. Ah si. Bon, j'ai rien dit. Il risque de faire du tir allié, mais bon. Pauvre homme lézard tout seul. Le bélier avant, suivi par les gardiens du temple. Ok. Montez aussi vous. Ça se passe moyennement, on va dire. Pas trop mal quand même. Le petit boost qui va bien. Vas-y, viens toi. Pas besoin de toi bientôt. On va placer des lanciers dans la porte ici. Ils peuvent courir. Les skins vont s'apprêter à monter plus tard. Je vais les mettre là. Ok. Les troupes sont tranquilles sur le haut là, il y a aucun souci apparemment pour elles. On va attaquer les lanciers sur le côté. J'ai pas envie de descendre de l'autre côté pour l'instant, j'ai pas envie que mes unités soient isolées à l'intérieur. Ok, les portes sont pétées. Donc Stégadon, je vais faire passer de l'autre côté carrément. Comme ça les gardiens du temple vont pouvoir attaquer. Alors pourquoi est-ce qu'ils courent pas? Ils devraient courir là. Bon. Passe de l'autre côté, vas-y. Y'a personne sur les tours là, sur les murailles, je peux les faire monter. Attention quand même qu'il n'y ait pas d'ennemis qui déboule à côté, je vais mettre une unité avec, de lancier. C'est bon. Toi tu peux descendre par là si tu peux. Je crois que tu peux descendre. Vas-y vas-y pour aider. Bon, qu'est-ce que les skins font là? J'ai dû faire un truc qui n'allait pas. Je vais pas faire ça. Toutes ces unités, on va les faire rentrer comme elles peuvent. Mazdamundi va rentrer aussi. Je pense que le temps qu'il arrive, on aura pris possession de l'intérieur ici, sans aucun souci. Bon, ça, on a peu de pertes. On a les gagnants du temple qui ont pris un peu cher quand même. Ça ira, ça ira. Attention aux affreux lances qui attaquent les skinks ici. J'avais monté des lanciers au cas où. Ça devrait aller.
si ça se bat et si ça rentre. Le Stégadon qui poursuit, bon. Il a quasiment pas perdu de vie et il a récupéré son moral, excellent. Ça va, on les prend en sandwich, ça va aller. Est-ce que j'ai oublié des unités quelque part? Non, ça va. Ok. On va auto-booster Mazdamundi. Stégadon, lui, se débrouille très très bien tout seul. Excellent. Alors ici, le combat est gagné. Ça fuit. On va placer les cohortes skink là. Toi, tu vas attaquer. Ah bah, c'est déjà la victoire. Tranquille. Bon, on avait l'avantage des troupes, évidemment. Pas de quoi se vanter spécialement. De pertes, hein, très bien. Un bon petit butin qui va faire du bien pour faire tous les bâtiments que j'ai besoin de faire. Bon, j'ai pas envie de la laisser. Si je la laisse, hein, les autres vont venir la prendre. Et ils vont se renforcer. Donc je, pour moi, c'est pas une option. Je pourrais mettre à sac... Pour 4683 quand même, hein, c'est un beau trésor. On va mettre à sac se reconstituer et ensuite on occupera. On réattaquera, on occupera. De toute façon, il va pas leur rester grand chose. Pendentif en plume d'aigle. Mazdamundi doit déjà avoir quelque chose s'il l'a pas pris automatiquement. Résistance ultime 20%, et c'est, ça c'est vraiment pas mal. Et là il est protégé contre les créatures volantes. Autour de soi, moins 5 en attaque en mêlée pour les volants. Bon, c'est mieux la pierre enchantée évidemment. C'est mieux le talisman de préservation, pardon, résistance ultime moins 20% quand même, c'est énorme. Je vais le laisser à Mazdamundi, même si c'est pas vraiment un combattant de corps à corps. N'est pas grave. Alors lui, il a la pierre enchantée, résistance physique 10%. Ok, et Rogue Jor, on va lui filer le pendentif en plume d'aigle. Rogue Jor qui a une monture maintenant, on l'a pas encore vu parce qu'on l'a pas vu se battre depuis ce moment-là. Il va venir. Ok. On va remettre le siège directement. On n'a rien perdu quasiment. Hein. Par contre, on a gagné beaucoup de pognon. Et on va occuper. Sildrator a été détruite. Fallait pas me déclarer la guerre, les mecs. C'était vraiment pas une bonne idée. Alors, on va regarder un petit peu la province parce que du coup, l'ordre public, on va avoir des soucis. On a moins 10 pour la conquête. Et là on est à moins 10, donc ça va finalement. Mais bon, on a 18 à cause de la présence quand même forte de la militaire de Mazdamundi. Hein, donc faut travailler sur l'ordre public absolument ici. On va faire, on va réparer. On va détruire les possibilités de recrutement, je pense. Je vais pas recruter ici. Par contre, je veux le reste, des bâtiments utilitaires, des murs pour se défendre des attaques d'elfes noirs du nord, par exemple, et de quoi faire monter l'ordre public, le monument aux anciens. Voilà ce qu'on va faire.
pour l'instant, pas de panique, on va quand même finir, on va aller quand même prendre ceci. Je sais pas qui va y aller du coup. À part Maz, il n'y a pas grand monde dans le coin, on est bien d'accord. Ça m'embête un peu de perdre quelques tours pour y aller, mais ça me fait une colonie de plus. Colonie qui va certes réduire l'ordre public, mais qui va me rapporter un peu d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on va lui prendre ? On va monter dans l'essor, je pense. Alors, j'ai bien lu vos commentaires. Vous avez été quelques-uns à me dire que le bouclier de Saferi, c'était assez clair. Donc, j'ai bien compris. Lorsque Mazdamoun dit « jette un sort » depuis que j'ai pris ça, sur toute la carte, il y aura l'effet bouclier de Saferi pendant 9 secondes. Plus 11% de résistance aux dégâts sur les alliés. Ce qui est quand même vraiment pas mal. C'est quand même vraiment pas mal. 9 secondes, ils vont... Paf, c'est que 9 secondes, mais ils vont être plus résistants de 10%. Donc ça se prend quand même. Hein. Ça se prend. Alors, soit j'augmente la catharsis magique. Dégâts directs sur un seul guerrier. Ou alors je veux la comète de Kazandora. J'ai pas encore d'attaque de groupe. En bombardement, ça ferait quand même du bien. Je sais pas lequel est le plus fort dans le tas. C'est un vent. Je crois pas que j'en aurai vraiment d'autres en fait. De bombardement. Ça dure 7 secondes. Dégâts perforants, des explosions augmentées. Inflige des dégâts magiques, grande zone de frappe, agit sur des unités multiples. Je pense qu'on va prendre la comète quand même. Ça va un petit peu... Alors l'exorcisme c'est contre les morts vivants, on n'en a pas encore rencontré. Je suis sûr qu'il y en aura parce que vous m'avez rappelé que selon le lore de Warhammer, il y avait des vampires qui avaient colonisé en Lustrie. Donc on en aura sans doute quelque part. Peut-être pas au nord mais peut-être au sud. Je sais pas, on va finir par rencontrer, mais on aura le temps de le prendre de toute façon. On va prendre la comète. Alors, Varal. Pour l'instant, je l'ai monté en prédateur. On continuera avec entraînement après, simplement pour qu'il améliore les troupes. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Ah, après sang-froid, il pourrait avoir le carnosaure aussi, c'est cool. Puissance des armes, plus 2%, puissance des armes, plus 10% en combat contre les scavennes. Alors c'est marrant, les vétérans scarifiés sur russe, eux, ils ont pas la ligne verte, le rouge ici. Ils peuvent pas être de bons commandants. Peau épaisse, maître d'épée, alors qu'est-ce qu'il a pour l'instant? Attaque 38, défense 47. On peut booster l'attaque sans aucun problème, 47 c'est bien déjà. Commandement, il a 79, je crois pas que je vais vouloir trop le monter. On va monter l'attaque je pense. Et la puissance des armes après aussi. Plus 10% contre les Skaven, c'est un peu... Et là, on aura aussi Elfe Noir, Ambet, Kao et Norska. Et peau verte. Plus 10% quand même. Pour l'instant, on va prendre l'attaque. Ok. Alors du coup, j'ai récolté plein de pognon. On va pouvoir quand même continuer à faire des constructions. À Exoatl. À Exoatl, on a... 8 bâtiments possibles en plus de celui-ci. Donc ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5 évidemment, le fabricant d'armes. 6, 7 et 8. On fera pas la pyramide croix-moisie de Sotek. Ça sert à quoi principalement? À recruter plus de héros skink, mais on pourra le faire via ceci.
Ça sert également à avoir plus d'expérience des unités pour les recrues et des revenus de pillage augmentés dans toute la faction. Plus des garnisons. Bon, je pense qu'on peut s'en passer ici. Par contre, on va faire l'hôtel des anciens. Et on fera également la chambre des étoiles. Est-ce que je l'ai compté? On va recompter. C'est important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'aurai pas la chambre des étoiles. Alors que j'en ai besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Je suis pas sûr. Est-ce que la chambre des étoiles, je peux la faire dans une autre capitale? Tout à fait. Je pourrais la faire aux étangs miroirs de Tepok, par exemple. Mais là, ça, on va attendre. Alors que je pense que c'est dans une quête, on en a besoin. Donc on fera plutôt l'hôtel des anciens ailleurs pour déverrouiller la volonté des anciens. Choix difficile. Enfin, c'est pas si un choix si difficile que ça, mais quand même. Construisez l'hôtel des anciens pour la masse cobra de Mazdamundi. Pas que j'oublie que je dois faire des prisonniers pour avoir l'étendard solaire d'Exoatl. Ça influence mon choix également dans les batailles. La fin des batailles. Soit je construis ça, soit je ne fais rien. Maintenant là, est-ce que les deux m'intéressent vraiment? Plus un prêtre mage Slan. Plus de réserve de puissance de vent de magie, oui, ça m'intéresse quand même. Ça m'intéresse aussi. Ok. Pour l'instant, on va pas faire ceci. Parce que on sera plus vite dans cette province-ci aux 4 dont j'ai besoin pour faire la chambre des étoiles. Et donc, je voudrais le faire là. Pas grave, on a des choses à faire de toute manière. Notamment, l'écloserie de Terradon ou les... La cavalerie, on va faire les terradons, je pense, pour avoir des capacités d'intervention, notamment sur les catapultes ennemies, ce genre de choses. Alors, on a les monteurs de terradons. Alors, vous aurez remarqué dans l'interface que quand c'est entouré en rouge, ça veut dire qu'on a besoin d'un autre bâtiment. Dans ce cas-ci, les fabricants d'armes. Et qu'on les a pas. 150 d'entretien, 187. Bon, la différence, c'est quoi? C'est qu'on a plus de munitions dans les premiers, 26 contre 22 ici. La portée est plus grande. Et les dégâts à distance plus ou moins équivalents. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, on fait des dégâts de feu. Et franchement, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose de différent. Si ce n'est que... Mêlée, c'est pareil. Je vois pas hyper l'intérêt d'Ebola, Pyro, Sensu, mais il doit y avoir, j'imagine, il doit y en avoir un. C'est quoi ceci? Résistance au projectile 15%, c'est toujours ça de prix. De toute façon, on va faire les closeries. J'ai envie d'avoir les volants, j'ai envie de les voir. On les prend. Là, c'est bon. À Exoatl, on arrête pour l'instant. Rien faire, Skegi, rien. Forêt de la vipère, on va faire les trésors des anciens en garnison. Pour dire plus de plaques. On a encore 5000 pour coloniser, cool. Bon là au pic du Macu, pour faire ceci, la commune. On va explorer les ruines. Les ruines sont exactement ce qu'elles semblent être, il n'y a aucun signe de vie. On va essayer de bouger. Bon, je m'attends à une déclaration de guerre hyper rapide, hein, le problème, c'est vraiment le problème. Donc avant d'aller essayer de prendre ceci, je pense qu'on va quand même... tant pis s'il la colonise, de toute façon elle sera pas très très utile avant un petit moment, le temps qu'elle se développe. Je pense que notre ami Rogjar va améliorer son armée. On va avoir le revenu pour le faire. Il va aller prendre un Stegadon, il va aller prendre...
Il va aller prendre un volant. Ce sera bien. Zlanwapek, on a toujours la mission, je pense, de avoir des relations commerciales avec eux. Mission accomplie. On a 350. Ah, je peux lancer le premier rituel. Ne nous précipitons pas. Je vais lire vos commentaires à ce sujet. Je suis pas trop en avance dans les vidéos pour l'instant, donc avant la prochaine vidéo, ouais, je vais quand même prendre la prochaine avant de pouvoir vous lire, mais je vais pas le lancer tout de suite, je pense, parce qu'on va se faire attaquer si je le lance. Je suis pas vraiment prêt. On va réfléchir. Vous avez raison, maître vénéré, le rituel est prêt, mais nous avons besoin d'autres plaques, ok. Accomplir le rituel, rituel de prédiction. Une fois initié, un rituel peut prendre plusieurs tours pour s'accomplir. Un rituel est conduit sur plusieurs lieux de rituel à travers la carte de campagne, dont les emplacements sont indiqués sur la barre de rituel au moment de le lancer. Ouais, je vais pouvoir faire un clic gauche pour voir les détails. À ce moment-là, on pourra toujours choisir de le faire ou pas, je pense. Pendant qu'il est en cours d'accomplissement, l'énergie est canalisée depuis ces lieux jusqu'au grand vortex. Les puissances rivales peuvent tenter d'interrompre le rituel en attaquant les lieux de rituel et engager des forces d'intervention. Ah, elles vont payer pour utiliser le service d'armée d'intervention. Donc elles vont popper, à mon avis, chez nous directement. Pendant l'accomplissement d'un rituel, les forces du chaos s'immisceront également. Si je perds un des lieux de rituel, il sera alors interrompu, il faudra le relancer. Il faudra retrouver... J'imagine qu'on va perdre les plaques également. Quoique, on verra. On verra si ça arrive. Voilà, on se quitte ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a super bien plu, comme d'habitude. Je commence à prendre mieux en main mes petits lézards, à mieux les reconnaître sur le champ de bataille également. Ça se passe bien. Donc je vais réfléchir, je pense pas lancer le rituel tout de suite, on va d'abord consolider un peu. Prendre les ruines là peut-être, quoique je suis même pas obligé de les prendre en fait, effectivement, elles vont peut-être être plus embêtantes qu'autre chose. Maintenant ça coûte rien d'aller les prendre à part un peu de temps. Je vais réfléchir. Je vous souhaite une bonne continuation. Toujours à m'embêter. Ah, on a terminé, j'ai plus de tour pour l'accord commercial. Pas si évident hein, les missions pour obtenir les unités bénies, franchement. On va quand même d'en réussir une. On va bien recevoir une autre a priori. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, à bientôt.